Amis, bonjour à tous. Bienvenue dans cette première vidéo speed drawing en ASMR. Alors en fait, je vais reprendre les classiques que j'ai fait sur ma chaîne Chat Dessin et Dessin Facile, donc les gros dessins que j'ai pu faire. Et vous allez les revoir en version ASMR comme ça avec un petit chuchotement par-dessus. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer la vidéo Sharingan. Donc c'est un dessin que j'ai fait il y a quelques années maintenant, je crois il y a 2-3 ans peut-être. On voit que j'ai pris du niveau entre temps, mais c'est quand même un dessin que je trouve particulièrement réussi. Donc j'espère qu'il vous plaira. De toute façon, vous l'avez vu dans la miniature. Je suis désolé pour les petits bruits, c'est mon chat qui est à côté et qui fait n'importe quoi. Donc, alors, hop, voilà. Donc on peut voir que j'ai fait le croquis au crayon, évidemment, en premier lieu. Voilà. Ensuite, j'ai fait le line. C'est vrai qu'aujourd'hui je passe encore moins de temps que ce que vous avez vu dans la vidéo dans l'étape du croquis. Le croquis c'est vraiment un truc que je fais très rapidement. Et je passe directement au line, c'est vraiment le line pour moi le plus important, tu vois. Le line, le line, le line, le line. Le line, le line, le line, le line, le line. Donc le line c'est ce que je fais au feutre noir. Ah putain, c'est vrai qu'à cette époque j'utilisais encore les feutres Papermate. Putain, aujourd'hui j'utilise plus, mais à une époque c'était vraiment ça que j'utilisais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Ça date cette époque, c'est l'époque où je vous faisais des gros lives et tout. Maintenant je pense que c'est fini. Peut-être que ça reviendra, mais je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que maintenant je privilégie les vidéos. Mais bon, on sait jamais, encore une fois, peut-être que ça reviendra. Qui sait? Alors je sais, j'ai pas regardé c'était quoi les feutres que j'utilisais à cette époque, je pense que c'était les OUU. Ce que j'aime bien quand je dessine les Sharingan, c'est vraiment les dégradés dans l'œil qui sont faisables avec les différentes nuances de rouge, c'est super agréable à faire. C'est vraiment satisfaisant et agréable à faire. Même si encore une fois le dessin là n'est pas parfait, on peut voir que même ma colo feutre à alcool n'est pas parfaite, hein. c'est pas ce que je sais faire aujourd'hui, mais c'est ok, c'est ok. Voilà. Là c'était celui de Kakashi. Alors je n'ai pas regardé Naruto, mais normalement voilà. Voilà, 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 voilà. Donc là on a le petit Kakashi. Le petit Kakashi. Le petit Kakashi. Le petit Kakashi. Là, alors je me souviens plus du tout c'est qui. Alors il me semble que j'avais fait les personnages un peu principaux. J'avais fait les personnages un petit peu principaux pour bah, tout simplement pour cette pour ce dessin là. J'avais fait les personnages alors à lui il me semble que c'est Gaara. Alors la peau est un peu trop jaune et pareil, on voit les petites taches, on voit que c'est pas ultra lisible. Ouais, mais bon. Mais bon, mais bon, mais bon, mais bon. Ça reste correct. D'ailleurs, ce dessin, c'est un dessin que vous avez dans ma boutique. C'est un dessin que vous avez dans ma boutique en description. Non, je sais pas si je l'ai mis en description de ma chaîne ASMR, mais enfin bon, bref. Si vous êtes intéressé, allez en description de ma chaîne de Chat Dessin. Voilà, si jamais vous êtes intéressé, sinon il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un dessin qui était pas mal vendu, enfin par rapport aux autres. Voilà. Alors, je vais juste répondre à quelqu'un dans mon jeu qui me dit qu'est-ce que je fais et je vais lui dire je. C'est juste. C'est pour les points
je serai là ce soir. Excusez-moi, c'est mon jeu en même temps, mais je trouve ça super agréable. Le bruit du son et des petites touches et tout sur mon iPad. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo dessin sur iPad. Je vais regarder pour vous faire ça peut-être là, juste après. Alors sinon j'ai avancé, je crois que j'ai fait le char. Alors ouais, je veux pas dire de bêtises, vous allez encore me défoncer dans les commentaires si je dis des bêtises. Mais c'est quand même pas mal, hein. On voit les différents Sharingan, les différentes formes et tout, je trouve ça quand même assez stylé. C'est vrai que niveau colo, je grince un peu des dents quand même aujourd'hui, hein. Je vois beaucoup d'erreurs faites. Genre là, encore une fois, il y a plein de zones qui sont pas encore bien. J'aurais dû repasser au feutre, mais bon, c'est pas grave. Ouais, la colo, honnêtement, ma colo sur ce dessin, je lui mets un 7 sur 10. 6, 7 sur 10. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. D'ailleurs, si vous voulez voir mes derniers dessins, bah, n'hésitez pas à aller voir sur Jadessin. Voilà. Bon, je pense que les amateurs de Naruto vont apprécier ce dessin. Moi, je pense qu'un jour, je regarderai Naruto quand j'aurai le temps dans ma vie. Quand j'arrêterai de travailler, si un jour ça arrive. Bah, à ce moment-là, je regarderai Naruto, je regarderai One Piece. Je prendrai de l'avance. Enfin, de l'avance. Je rattraperai mon retard plutôt, c'est ça que je voulais dire. Je rattraperai mon retard sur tous ces animés-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout le courage de me mettre à Naruto et One Piece. Je regarde Demon Slayer, je regarde SNK, My Hero Academia, pareil, j'ai pas regardé. Bah, c'était quoi ce bruit? Il y a eu un bruit, c'est bizarre. Bah, c'est bizarre. Bah. Ouais, ça enregistre toujours. Bon, bah, bon, je sais pas. Donc, je vous disais, ouais. Pour le moment, j'ai regardé SNK, évidemment, meilleur animé. Ken le survivant, j'adore. Aussi, j'ai regardé également SNK, Ken le survivant. J'ai regardé Death Note, mais pas la partie. Enfin, j'ai regardé la meilleure partie de Death Note. J'ai regardé Demon Slayer, comme je vous ai dit. J'ai regardé. J'en oublie. Ah oui, Parasite. J'ai adoré l'animé Parasite, vraiment. Il y a quoi d'autre comme animé que j'ai regardé? Dragon Ball, évidemment. Dragon Ball Super, Dragon Ball 7. Et puis, évidemment, Devilman Crybaby. Et c'est tout. En fait, les classiques. Ah oui, et One Punch Man, évidemment. En fait, les classiques que j'ai pas vus. Il y a My Hero Academia, Hunter x Hunter, Naruto, One Piece. Ça, c'est vraiment les 4 animés que j'ai envie de rattraper. My Hero Academia, Hunter x Hunter, My Hero Academia, Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, Jujutsu Kaisen aussi, j'aimerais bien. Ouais, j'ai beaucoup d'animés à rattraper. J'ai beaucoup d'animés à rattraper. Mais je pense que je vais apprécier tout ça, enfin tous ces animés. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes d'accord et que ce sont de bons animés. Voilà, je pense que c'est vraiment des classiques, des shonen classiques que je vais apprécier, quoi. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai tellement plus le temps, je regarde trop de politique, de trucs comme ça, de débats, de... Je kiffe tout ça en fait. Je kiffe tout ça. Donc ouais, c'est vrai que j'ai pas trop... Enfin, je ne prends pas trop le temps pour regarder des animés. Pour du divertissement pur et simple. J'espère encore une fois qu'un jour dans ma vie je les regarderai avec mon petit-fils, tu vois. Je rattraperai tous ces animés. T'imagines, je découvre Naruto avec mon fils plus tard. Alors après, ça se trouve d'ici là, il y aura de nouveaux animés bien meilleurs. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Nous ne savons pas. De quoi sera fait demain? Nous ne savons pas de quoi sera fait. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous. Et je vous... Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce style de vidéo. Je vous en referai. Parce que c'est vraiment un test.
Sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous dis à demain 21h pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas bien sûr de laisser le petit pouce bleu et le petit commentaire. Ça me ferait super plaisir, ça aide la chaîne. Allez, à demain les amis, à demain, bisous bisous bisous.